Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est avec un pile plaisir nous rejoignons sur le plateau télé Anakaona pour nous porter pour vous un nouveau numéro TATV Sport pour semaine. Pour que ça rentre la caillou, c'est grâce à support toute équipe là. Coordination technique dans Orlando, Lindri Ménard, maquillage Varda, réalisation ingénieur Kaby Léveillé, présentation votre serviteur Delva Blanc. Rapidement, mes quelques points, il pourrait le faire essentiel TATV Sport pour aujourd'hui. Nous allons parler de la sélection nationale haïtienne masculine senior qui a gagné pour disputer la Ligue des Nations de la CONCACAF, Ligue B, du 2 au 14 juin prochain, si Dieu veut. Et puis, nous allons faire un zoom sur Franzi Pierrot qui réalisait à titre personnel une excellente saison au niveau de la Ligue 2 avec un avant Guingamp. Football, toujours des nouvelles de Melchidael Dumorné, alias Corventina, qui montrait définitivement son véritable phénomène. Le marqué un goal phénoménal, un goal extraordinaire, samedi dernier, à l'issue du championnat de France de première division féminine. Et puis, à l'échelle internationale, on a parlé de basketball NBA. Désormais, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, à égalité de partout. Par contre, l'équipe Golden State Warriors là prend de sérieuses options quant à qualification pour la finale de la conférence West. Et puis football, le Milan AC fait une belle victoire en déplacement sur le terrain de l'AS Vérone 3-1, permettent que le reprend tête classement devant Inter de Milan. C'est tout pour ça, avec plusieurs autres, nous allons débattre pour vous. Pas déplacer, rester là, je vous propose d'approcher nous dans quelques instants. Après un hiatus de plusieurs années, Zeclet et Musique Musique résurgissent aux côtés du groupe Zinglin et sur l'invitation de PHM et Touche M12, Gary Sylvain's Electric Crew, Sira 50 pour une soirée nostalgique. Le vendredi 29 juillet de cette année, Tatiana Nightclub sera le théâtre d'un événement unique. Zeclet, Zinglin, Musique Musique, sous Yourself Podium, Halftime, DJ Paz, DJ FME. Zami, pas qui jouer à pile ou face. Si vous voulez faire rêve l'amour, ça pour nous faire songer qui moun nouye. Don't let go, tant que yon roi. Campé de guerre sous yon KO, jouer queen, parfait grève bébé, parlez bien. Fais des jeux thèmes farinés pendant à chanter l'amour ou à jouer un résultat. Et puis nous toutes belles, Zekle, Musique Musique, Zingle, vendredi 29 juillet dans Tatiana Night Club, 1710 East Allendale Beach Boulevard. Patronné par magistrat Philippe Bidemé, Primary Care, First Class, Télé Anakaona, Radio Télé Caraïbes, Impact FM, Groove FM et Sirene. Palmiste Film Production présente la 5e édition de Soirée Lumière le dimanche 10 juillet à 7h du soir au Performing Arts Theater, 170-11 Northeast 19e Avenue, North Miami Beach. À ce rendez-vous, vous aurez l'opportunité de rencontrer toute une pléiade d'acteurs et d'artistes de renom qui viendront de toutes parts pour des prises de photos en votre compagnie. Et comme ils ont fait votre bonheur pendant des années, ils méritent bien votre présence à cette cérémonie où le fameux chanteur B.I.C. sera particulièrement honoré pour sa riche contribution à l'art musical haïtien. Au programme, le groupe Supremacy, Rolex et sa guitare, Muriel Création qui présentera une exposition en vente et bien d'autres surprises qui vous émerveilleront. Pour clôturer cet événement, Jean Gardy, bien-aimé, vous offre un spectacle cinéma à nul autre pareil. Oui, le réalisateur à succès va projeter à l'écran ses 4 derniers bijoux dans une série intitulée « Une autre thérapie ». Épisode 1, Jésus le défenseur béni qui nous dit si bien que seul en Jésus tu peux être bien gardé car il est fidèle et compatissant. Épisode 2, Femme source de vie. Oui, femme, pure merveille, espèce incommensurable. Épisode 3, on se marie pour la vie. On se marie pour la vie, même si des fois c'est au prix de sa vie. Épisode 4, la femme de Sabala et son ami Michael. Une femme mariée peut-elle entretenir une saine amitié avec un homme qui n'est pas l'ami de son mari? La réponse à cette question, le dimanche 10 juillet à Soirée Lumière, qui promet de vous régaler au North Miami Beach Performing Arts Theater. Admission $30,
VIP $100. Achetez vos billets à l'avance à eventbrite.com. Soirée Lumière, un événement unique auquel il faut à tout prix participer à deux. Télé Anakaona, Radio Télé AC, Delva Calcio Bomboule. Nous retournons après pause là, mesdames et messieurs, et nous allons suivre Tati Visport avec votre serviteur Delva Blanc. Juste avant de rentrer dans le développement émission pour aujourd'hui, qui te dit nous, Kirby Léveillé avec Jean Gadi bien-aimé, nous avons fait un complot pour faire le mois de juillet nous belle. Le 10 juillet prochain, si Dieu veut, Palmis Production de Jean Gadi bien-aimé. À présent, un festival cinéma dans Performing at Theater. Ticket est déjà disponible 786 624 19 45 ou bien 305 206 0022 pour capable prendre ticket. Et puis le 29 juillet, Tatiana n'a avec le club là pas bien côté pour piquer zeping puisque me tendez son question de ZMZ. Zinglin musique Zinglin. Bon, on a dit combien qu'on oublié parce que grand pile surprise, nous capable dit que PHMA Télé Anakaona réservé pour tous les mélomanes et puis tout teaser pour tout Jokanel yo. Nous compte bagaille là. Bon boule. Eh bien, on nous entre dans boule là non. Rapido presto ingénieur Kaby Léveillé pour nous parler de la sélection nationale haïtienne masculine senior qui a gagné pour disputer Ligue des Nations de la CONCACAF du 2 au 14 juin prochain, si Dieu veut. Tirage au sort, compétition ça, déroulé dans le jour qui passé là, eh bien, Haïti trouvé dans le groupe B. Donc, Haïti, Fonzo, il n'est pas dans la Ligue A. Haïti, de préférence, a joué Ligue B. Et dans le groupe A, c'est bien Cuba, Guadeloupe, Antigua et puis Barbade. Haïti se trouve dans le groupe B. Avec Bermude, Guyane anglaise et Montserrat. Groupe C, j'en ai capable de remarquer, Trinidad et Tobago, Nicaragua, Saint-Vincent et Grenadine, et puis Bahamas. Enfin, dans le groupe D, Guatemala, Guyane française, République dominicaine, et puis Belize. Équipe haïtienne a joué premier match li dans la compétition le 4 juin prochain, si Dieu veut, à Bermude. Coup d'envoi rencontre ça prévoit pour 6 heures. Et puis, le 7 juin, Haïti a joué contre Montserrat en République dominicaine. Coup d'envoi match ça, c'est pour 5 heures PM. Match la fête dans le stade olympique Félix Sanchez. Et puis, dans le même moment, Guyane a affronté Bermude. Et puis, le 14 juin, Bermude a joué contre Montserrat et Haïti a affronté Guyane anglaise. Quittez-nous rapidement souligner pour vous, mesdames et messieurs, eh bien, vainqueur, chaque groupe sa yo a qualifié directement pour disputer la Gold Cup 2023. Et équipe qui termine en deuxième position yo pour aller disputer barrage pour un ticket dans la Gold Cup là. Donc, dans le groupe Haïti avec Bermude, Guyane, Montserrat, il n'y a pas de doute que sélection nationale là t'a doué fini en première position dans le groupe ça et composté ticket pour la Gold Cup 2023. Nous espérons que tout joueur qui est rentré en rébellion est capable de ramener tête à la raison, faire vol de face là, retourner en sélection nationale haïtienne. Il y a une façon pour nous capables de survoler le groupe ça et qualifier pour la phase finale de la Gold Cup. Pendant qu'on a parlé de joueurs qui boudaient sélection nationale là, ça fait quelque temps, nous sommes capables de citer par exemple, on est
saison actuellement avec l'équipe Gengampez. Également, Kalens Arcus, n'a pas gardé sous écran, qui fait une grosse saison également avec AJ Auxerre. L'équipe Auxerroise a besoin d'une victoire en espérant que Ajaccio, lors de la dernière journée de la Ligue 2, a fait faux pas pour être capable de retourner en première division. Et puis, Frenzy Biero, nèg payam, nèg nakayam, monsieur inscrit 15 goals pendant la saison ça avec en avant Guingamp. C'est bien malheureux, Guingamp n'a pas fait partie de l'équipe qui va rejoindre l'élite du football français puisque Guingamp trouve en 6e position. Mais à l'issue de la 37e journée, Frenzy Biero était face à l'Everton Pierre, n'a pas regardé là, dans le cadre match entre USL Dunkerque et AJ Auxerre. L'Everton Pierre était titulaire, monsieur était quitté place à la 68e minute de jeu, tandis que Frenzy Biero était joué tout match là et Frenzy Biero était marqué le 3e but de la formation d'en avant Guingamp et remporté du même coup duel ça face à compatriote li n'a parlé de l'Everton Pierre. Et puis Johnny Placide qui pendant toute saison était titulaire en barrage équipe Bastia, mais pour le compte de la 37e journée, eh bien Johnny Placide pas de figurer dans feuille de match. Ça m'a expliqué nous raison hein, hier soir. Pas oublier, l'équipe a gagné 3 goals qui perd. Il y a Vincent Sini qui a commencé. Placide vient prendre place titulaire dans le même monsieur. Monsieur vient passer comme 2e goal qui perd. Et puis 3e goal qui perd. Pas de jamais changer au match. Donc, samedi passé, coach équipe Bastia a battu M. Chancely. Et malheureusement, nous connaissons Bastia t'est tombé. Et puis, il y a également Stéphane Lambez. Nous connaissons. Qui a joué dans Wankevili aux côtés de Dukens Nazon. Définitivement, rien ne va plus pour Dukens Nazon et Stéphane Lambez, puisque M. Sayo, alors équipe yo, n'a parlé de Kevili Wan, qui est tombé lors de la 37e journée face à la formation canaise sur le score de 2-0. Donc, situation vraiment difficile pour équipe Kevili Wan qui très proche de relégation. Par contre, Frenzy Biero a gagné le sourire aux lèvres puisque l'été à la base de victoire équipe Guingampez lan au dépens de USL Dunkerque de l'Everton Pierre sur le score de 3-1 et nous rappelons Frenzy Biero a conclu une superbe action pour être capable d'inscrire le 3e et dernier but de en avant Guingamp et c'est son 15e but cette saison. J'espère grandement vivement gagner de club de l'élite du football français qui a gagné sous Frenzy Biero puisque m'ta remé ouais Biero a joué au plus haut niveau du football français, pourquoi pas du football européen. Bravo une autre fois encore à Frenzy Biero, le goléador, notre grenadier qui a fait une excellente saison du point de vue individuel et lui aider Guingamp quand même occuper la 6e place à une journée de la fin. Bravo Piero. N'a quitté Ligue 2 pour nous aller Kounia dans notre Miami Stadium et parler de Madame Gougous Haiti Cup 22e édition presque rivé dans bout li. Dimanche passé, c'était match 3e 4e place. Nous tout songer que Violette gagné Delry 1-0. C'est Stanley Dur et Guirin qui t'a marqué gol là. Après match ça, coach Gabriel Michel Tigana t'a exprimé dans micro Radio Télé Mélodie, Radio Télé AC, Télé Anacaona, Delva Calcio Bomboul, il t'a tout profité parler de projet gagné avec Little Haiti Football Club. Pour plus précision, nous invite au côté coach Ghana, caméra Kébi Léveillé, Don Goriva. On lag. Et match dimanche, et vous pouvez que nous terminé pour un bagage bien déterminé et que nous réussissons. Et profitez ça de tout ce staff là et pour tout le monde de l'équipe Violette. Alors, Violette a fait plus qu'un goal. Ça qui est passé, est-ce que ce sont des déconcentrations, maladresse, tout ça, ou bien effet élimination, hein, qui a toujours été dans la tête de Violette? Yo. Effectivement, ça arrive nous vraiment parce que défaite là a fait un pile là normal. Nous avons estimé que nous étions supposés gagner. Bon, c'est football. Nous avons gagné, mais
équipe qui prépare match là, il est sur nous. Et parce que je tiens là, nous t'ai remonté moral, nous parler avec vous, nous montrer aucune importance match je tiens à gagner parce que le match qui était passé, il est passé déjà. Et je tiens de supposer et remporter le match pour nous capables de jouer une troisième place. Et nous disons encore une fois, c'est bien que nous vivons un bel football et nous même le. Il y a des difficultés dans la finition et quand même nous arrivons à marquer un goal. Ce championnat de Gougouz, 22e édition, c'est fini pour Violette, c'est fini également pour Côte Ghana. Mais nous connaissons Côte Ghana sont un élément qui est très expérimenté. Donc qui ça qui a gagné comme projet pendant le passage ici dans Miami? Bon, le projet nous c'est travailler avec l'école de football de Little Haiti. Et nous travaillons bien avec eux et nous sommes en compétition et que nous avons 4 matchs nous jouons. Nous jouons 3 matchs, nous gagnons 4 matchs, nous gagnons 3 et nous perdons hier 2-1. Et je pense que c'est ça pour ça nous venons ici pour nous être capables de faire promotion pour le football jeune et aider les jeunes tout à avancer. Parce que la majorité dans les cap joué ici, là, ils étaient même dans U17. En plus de la DEO qui joue Coupe du Monde U17, qui te fait 3 ans même. Et je pense que nous venons pour un objectif qui est déterminé. Donc, définitivement, Coach Ghana avec nous ici. Coach Gabriel Michel Tigana qui intégré staff Little Haiti Football Club là, avec Coach Soto Beauvais, Coach Pouchon, sans oublier Guéry Womon qui est entraîneur, goalkeeper. Je vais rappeler nous l'autre fois encore, grande finale. Madame Gougous, Haïti Cop là, c'est pour dimanche 15 mai prochain, si Dieu veut, entre chaque football club et 117. Coach Kenol a chauffé, nous capables de dire, bon terrain, mais nous espérons, jeudi prochain, si Dieu veut, Coach Kenol a monté terrain pour venir à nous un bilan de 22e édition Madame Gougous, Haïti Cop là. Un gros coup de chapeau à Herbie Richemont et tout staff Madame Gougous, Haïti Cop là. N'a pas avancé, nous avons retourné en France pour nous parler de un véritable phénomène. Définitivement, Coventina, c'est un phénomène. Samedi passé, mesdames et messieurs, Coventina inscrit un goal magnifique, un goal extraordinaire, un goal somptueux dans l'aube environ 40 mètres. Et goal ça permet que l'équipe Rouen-Kevillien. Alors non, pas Rouen-Kevilly. Mon Dieu, Rouen-Kevilly, c'est l'équipe de Duke Nzazon. Mais de préférence, stade de Reims bat équipe Saint-Étienne 1-0. Donc Coventina marque gol ça dans les arrêts de jeu. Il t'a laissé public là, coéquipier yo. Même les commentateurs du football féminin français étaient sans voix. Et justement, donc Coventina qui goumé avec un milieu de terrain. Équipe Saint-Étienne, voilà, les chipé ballon, on contrôle et puis on lobe d'environ 40 mètres. C'était vraiment du